Bonjour. Bonjour Mika Ouna. Bonjour Gordolexos. Ah, je l'ai un peu improvisé à la dernière minute, cette ouverture de stream, mais au départ, je m'étais dit qu'il y avait peut-être des gifs de juste la tête du vieux et une main qui tape dessus. Mais au final, je suis tombé là-dessus, alors voilà. Alors attendez, parce que comme j'ai tout improvisé, j'ai un peu pété mes réglages, je vais faire attention à... Voilà. Mise en bouche, oui, ça m'a donné envie d'en revoir du coup. Donc, nous y sommes. Benny's Madcap Chase. Il y a même le logo Tamis sur la boîte, ouais. Un jeu donc Decatronics qui est sorti sur ZX Spectrum, comme vous pouvez le voir. Alors, j'ai pas eu énormément le temps de me renseigner. Il est sorti que sur ZX Spectrum, hein. Decatronics, j'avais lu un peu. Ils auraient fait un jeu Popeye, ce qui me semble assez. Ah bah, et Benil, ce serait leur dernier jeu, de ce que je vois là. Et après plein de trucs. Alors, en l'occurrence, je ne connais absolument. Je crois que c'est la première fois que je joue à un jeu Spectrum. Je crois que j'ai jamais eu cette machine entre les mains ni rien. Du coup, bon, évidemment, c'est de l'émulateur hein, ici. D'ailleurs, c'est un autre émulateur de d'habitude. J'ai dû, du coup, normalement, il marche. Mais comme vous verrez, il n'y a pas de. Il n'y a pas de filtre scanline et compagnie. Il va être un peu plus brut. Et qu'est-ce que je voulais montrer aussi? Oui. Donc, Decatronics, c'est le jeu d'une personne. Il l'a fait tout seul. Et alors, son nom, Don Priestley. Qu'est-ce qu'il a fait, Don Priestley? Surtout, il y a le loading screen par Steve Gerrard. Et alors, le loading screen, en fait, on l'aura pas. Du coup, parce que sur l'émulateur, il le zappe. Du coup, je suis allé vous le trouver. Donc, on peut déjà se mettre dans l'ambiance. Bonjour, Switch 18 4D, 180 1804D, pardon. Avec le gorille qui rappe. Un lien avec Decatronics. Ouais, j'y avais pensé aussi, mais je ne pense pas, malheureusement. Un jeu qui vous était inconnu. Eh bien, très bien. Nous aussi, on a découvert l'existence du jeu en testant le premier jeu Monty Python. On s'est demandé si ça existait, un jeu Benil, et effectivement, on a trouvé ça. Donc voilà, le loading screen, normalement ça c'est quand on met la cassette du jeu, on a cet écran. Et là, du coup, avec l'émulation, on l'aura pas. Il le zappe, comme je vous disais. Mais donc c'est important de savoir que c'est une personne spécifique qui a fait cet écran. Et je trouve quand même que c'est assez bien fait, le portrait de Benil. Quand même, pour la limite, la contrainte de couleur, je trouve ça pas mal. Et surtout, comment ils faisaient des digits à l'époque et tout. 86, est-ce qu'il y avait des scanners? Comment ils faisaient ça en fait? Je serais hyper curieux. Un jeu ALF, je pense que ça existe, un jeu ALF. Ça doit exister, ouais. Ouais, c'est un peu obligé. Il ne ressemble pas trop à Benny B. Non, effectivement, c'est normal, c'est Benny Hill, Gordolexos.
Ah oui, sur Master System, Lord Lexos, vous avez raison. Voilà, ça me disait quelque chose. Ah bah oui, il n'y a pas le JDG qui a fait un truc dessus? Il me semble. Bref, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? Bah rien, on va commencer. Vous me direz pour les sons, du coup, parce que comme c'est un nouvel émulateur, on va voir ce que ça donne. Et voilà, alors j'y vais. Je me mets dans le jeu. Ah, c'est pas mal, je crois que je peux jouer avec en voyant le chat juste à côté. Donc je vais. Ça va être pratique, je pense. Keys, alors. Ah ouais, j'avais. Du coup, j'ai un peu plus testé que d'habitude le jeu. Pour m'assurer que l'émulateur marchait bien, parce que c'est galère d'émuler les claviers Spectrum. Du coup, voilà. Shoplifter. Chuck Rock. Vous, Chuck Rock, c'est sur Master System. C'est marrant, ça, parce que c'est. Mais oui, pourquoi pas, hein, au final. Hé hey, toi, compagnon! Ouf! Ça m'a gueulé dans les oreilles. Eh bien, merci pour le follow switch 1804D. Alors, vraiment, je ne sais pas du tout ce que vaut le jeu. Hein, on va voir, mais je vais essayer de configurer mes touches déjà. Non. Alors. The keys are ok, redefine parce que je crois que sinon on va galérer. Alors, non, restart, on va mettre ouais, mais alors non, je dois recommencer. Pardon, up, down, left, right, et restart, on va faire ça, ok. Ah oui, c'est vrai, les deux étaient compatibles, les blocs d'Alim. Il y avait un adaptateur Master System. Enfin, pour mettre les jeux Master System sur Game Gear, non? C'était l'inverse. Non, c'était dans ce sens, hein. On dit. Guam ou je... Hein? Quoi, Mikauda? Je comprends rien. Bon. Quelqu'un envoie un texto à Kai Jungo, parce que il m'a tanné pour le voir, ce jeu. C'est lui qui l'a trouvé, je crois, et il n'est pas là. J'avais dit que j'allais pas gérer son emploi du temps, mais tant pis, hein. Bon, c'est parti, c'est parti. Oh, on reconnaît bien Benihil et sa démarche un peu fofolle. Alors, ça va, l'image chez vous, ça marche? Ouais, ça a l'air de marcher. Bon. Gros sprite quand même. Oula! Game Gear. Oui, mais Game Gear, Game Gear, moi je dis Game Gear, mais je dis Metal Gear, alors ça. Oh! Attendez. Hey, il y a des blagues. Slapstick. Ah, je peux aller dans la profondeur. Oh, y a une femme. Oh! Le jeu pose problème. Attendez, c'était fait par une personne seule. Ah, je me cogne dans les femmes. Mais ça ne doit pas être évident d'adapter Benny Hill en jeu. Oh, mais comment je fais pour passer? Ah. Ah bah si vous rigolez, c'est que c'est bon.
Game Gear, eh ben oui. Alors, ah, j'ai pris les vêtements. Watch out. Ah! Out. Ouf. Ah, mais oh là là, elle a des gros lolos, cette dame. J'aime bien son design. Oui, mais ils ont des bonnes tronches. Hein. Franchement, c'est un jeu fait par un gars tout seul. En plus, à l'époque, ça devait être compliqué. On va prendre le soutif. Ouah! Ah, elle aussi, elle peut se cogner dans les trucs. Franchement, c'est pas mal, Switch 1804. Vous êtes dur. Non, mais du coup, j'ai les fringues, ok. C'est un beat'em up. Je peux pas taper, je peux que me déplacer. C'est un petit peu le côté personnages qui vont d'écran en écran. Et qui mémorise la position, c'est pas mal hein, quand même pour l'époque. Ah! Au secours! Ha ha! Elle s'est pris le mur. Mais je sais pas ce que. Pff, je me marre plus qu'avec un vrai épisode. Ah oui, voilà, c'est la poubelle à fringues. Vite! Ouais! Aïe! Et du coup, il faut faire ça infiniment. J'ai cru comprendre qu'il y avait trois épreuves. 56 secondes. J'ai 8 points. On va prendre direct le soutif là. Ah! Oh, c'est la course! Aïe! Heureusement qu'il n'y a pas de vie. C'est marrant comme les tiles derrière ils disparaissent. Franchement, les sprites pour. Enfin, je sais pas, ils sont gros quand même, c'est assez impressionnant. Allez, allez! Soutif! Ça va rapporter plein de points. C'est fait par Eric Chahi, pourquoi? J'ai dit un truc qui pouvait. Alors. Bah, ça a l'air d'être des. Ouais, Gordolexos. Ça a l'air d'être des astuces comme ça parce que les briques, elles disparaissent derrière moi et tout. Y a 20 points, yes! 12 points le soutif. Forcément. Donc Bedi-Hill est un. Alors en fait j'ai lu des trucs sur le scénar du jeu. Ben, on lira après derrière la boîte. Parce que Bedi-Hill peut être vu comme un gros pervers qui vole des vêtements, mais visiblement c'est un gros malentendu. Un mec tout seul, ah oui, d'accord. Faut bien mémoriser les trois layers de sol, oui. Alors, on va prendre la culotte. On se sent bien en Angleterre, en tout cas, moi je retrouve l'esprit anglais. Est-ce que on s'était posé la question l'autre fois, mais on n'a pas vérifié s'il y avait un jeu Mr. Bean. Je pense qu'il y en a des jeux Mr. Bean. Oui, après je pourrais speedrunner. Oula, Mr. Bean. Sur DS ou Wii, ouais, ça m'étonne pas. Bah, j'ai plus mon. Elle me l'a pris. Quand elle me saute dessus, elle me le prend.
Ah. Je ne sais pas où je vais appeler, mais c'est bien Mr. Bean, c'est pas d'autres trucs que Rowan Atkinson a fait après. Bon, on va prendre la culotte, on va aller. Speedrun. Oh non! Et du coup, ouais, c'est ça revient à sa place du coup. Ah mais ça va, j'ai. Ouais, vous savez, les trucs avec Rowan Atkinson qui joue les agents secrets à Mr. Bean, ok. Aïe! Ah, j'y arriverai pas à la culotte. Watch out! Ah, quoi que c'est y aller. On y croit. Cours! Ah, mais mon score, il est tombé à zéro, du coup, quand je me fais attraper. Putain, c'est chaud. Esquive du poteau à la dernière minute. Vingt points à la culotte. Ah, c'est le plus puissant, forcément. Et un autre. On va vite savoir si. Oh! J'aime bien comment il gigote les pieds des pieds quand il est par terre. Ah mais là, mon score, il est descendu. Pourquoi il est descendu? Ah, c'est quand elle me. Quand je me cogne ou quand elle me tape, je perds des points, d'accord. C'est rare les jeux où on perd. Your high score 11. C'est rare les jeux où on perd des points. Bon, il n'y a que ça. Vous avez bien rigolé, maintenant vous voulez des meufs qui font de l'aérobic. Dans le jeu, vous voulez que je vous mette des vidéos de Benny Hill. Parce que je peux mettre des vidéos de Benny Hill et on peut juste mater de Benny Hill ensemble. mais je crois. Alors attendez. Parce qu'on va vérifier sur la boîte. Bénil, gentiment, c'est gentiment de présenter volontaire pour. Non. Non, Bambi Fontaine. Bonjour, Bambi Fontaine. Vous arrivez de manière en mettant les pieds dans le plat. Ah, ben c'est la soirée Bénil, Bambi Fontaine. Vous allez, c'est sûr que c'est pas la soirée féministe. Des os. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Béli a gentiment, c'est gentiment montré volontaire pour aider ses voisins. Sa première tâche, c'est d'amener les vêtements de Mrs. Arras dans la machine à laver, qui était partie faire du shopping. It's quite distant between you and the line. And to make matters worse, your good deed will be misunderstood. Oui, voilà, ok. Donc en fait, c'est un malentendu. En fait, Benny, c'est juste d'aider sa voisine. You then go to the second little job, which is to pick apple for Mrs. Ah, ok, donc il faut gagner pour. Il faut gagner pour voir le stage 2. Ça va être chaud. Mais on va le faire parce que je pense que c'est un challenge à ma hauteur. Coverback. Donc, c'est parti. 4.
Allez, Benny. Non, j'ai pas de save state, justement. Cet émulateur est vraiment ultra, ultra basique que j'utilise là. Donc ça va être du pur PGM. Pas si dur, il faut réussir à juste tout amener. Hop, je l'esquive par devant. Casse-toi! Oh là, ah, l'IA! L'IA d'enfoiré! Elle me dépasse. Ah, comment je vais faire? Oh, et du coup, je perds les fringues là. Ah, putain, ça va être hyper dur. Eh, ça se fait pas, il y a pareil là. Eh! Bon, peut-être que je vais pas. Oh là 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 là. Mais Miss Arras, je suis juste là pour vous aider. Non, j'ai pas la fringue, sinon elle clignoterait. Quand je me fais toucher, le close arrête de clignoter. Regardez, il est là. Oh purée, regardez, là, elle m'a chopé. Et la fringue est revenue sur le fil. Donc non, non, je dois aller la rechercher. Harcèlement de rue. De la part de Miss Arras, oui. Peut-être que je peux en prendre plusieurs hein, depuis tout à l'heure, mais non. Allez, en passant par là, en fait, c'est mieux en passant derrière le mur. Ah non! Ah si, ça passe. J'ai cru que j'allais me prendre le poteau. Benny, il veut juste rendre service. C'est le héros. Non! Oh. Hardcore. Aïe. Aïe. Tiens, il y a des gens qui me suivent quand on n'est pas live. Du coup, on est 39. La commu grossit doucement. Figurez-vous. Allez, viens là, Miss Arras. Oh, elle change de plan hyper vite. Donc on a un random twins qui nous suit depuis peu. Et un 12 pancake. Je sais plus si on l'avait vu, lui. Et ZZ. Donc bonjour à eux et bienvenue. Oh, mais je fais n'importe quoi, du coup, comme je regarde mes trucs, je. Oh, je crois que. Pfff. Bah alors, dans ce sens, je me prends le poteau, mais pas dans l'autre. Mais elle est vraiment agressive, cette femme, en tout cas. Alors qu'on essaie de l'aider à faire sa lessive, quoi. Allez, pour moi une fringue. Ah, il s'est pris là. Oh, mais quel idiot. Allez! Mais va dans le fond! Je pouvais pas aller dans le fond à cause de la barrière, mais je pouvais remarcher sur le côté. Je pouvais pas. Il bloquait, j'ai pas compris. Bon.
Est-ce que je peux faire un petit reset du jeu? Ah! Oui, voilà. Il y a un bouton pour redémarrer. Bon, allez. Mais non, les touches. Bah, vous avez remarqué que le poteau, il a changé de place? Tout à l'heure, il était au premier plan, et là, il était à l'arrière-plan. Et là aussi, le poteau, il a changé de place. Des fois, il est derrière, et des fois, il est devant le mur. Ah, c'est subtil, hein? Il y a de la variation de level design. C'est un roguelite, exactement, j'allais le dire, Gordolexos. Impossible de mémoriser les niveaux, Mikauna. C'est du pur réflexe. Mais du coup, là, j'ai l'impression qu'il va être plus facile le niveau. Parce que là, je peux marcher tout droit. Ouais, ça va mieux se passer, je pense. Hop, 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 hop. On va dans le fond. Hop, 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 hop. Ah non, mais là, ça a rechangé. Ah non. Non! Ouf! En fait, on dirait un petit peu un jeu électronique, quoi. Il y a cette petite vibe du jeu hyper basique, avec un peu plus long. Comme il est sorti avant. C'est un Benny Light, ouais. D'ailleurs, le jeu, c'est Rogue, non? Les Simpsons? Pourquoi les Simpsons? La culotte. Mais c'est impossible. Ah. Voilà. Tac, 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 tac. Oh! Non, c'est bon. J'ai l'impression que le... Que ça change de plan, un peu aléatoirement, en fait. Bonjour, Jenagored. Ouais, ça change de plan. Le level se transforme, à chaque fois qu'on change d'écran. Donc, Janagored, c'est donc le jeu Benny Hill, comme vous pouvez voir. Ne sais pas si vous étiez. Oui, vous étiez là quand on en parlait. Enfin, quand on disait qu'on allait le faire, la dernière fois. Qui est, ma foi, pas facile, hein? Écoutez, c'est pas mal. C'est un jeu fait par une seule personne. Ça, il faut toujours le redire. Ah, mais ce truc-là, on dirait pas du tout, hein. 59 secondes et j'ai pris combien de fringues? 3. En tout cas, je m'en sors mieux, mais je suis en train de scorer là. Non! Ouf! Ok. Ah, mais casse-toi! Elle m'a coincé. Je suis coincé entre les poteaux et elle. Allez. Oui, c'est ce qu'on disait, effectivement, les farfadets sont énormes. Pour un jeu de l'époque et bon après je sais pas que je connais tellement pas le Spectrum que je connais vraiment pas les contraintes techniques du oh yeah, mais elle va me coller c'est impossible là je pourrais jamais attraper de fringues il y en a plus que 3 c'est faisable allez go casse-toi Benny.
Oh non! Pourquoi un coup sur deux je me prends ce poteau? Ah ouais, bien. Je suis dedans là, ça y est. Y a pas beaucoup de jeux qui mettent en scène des poursuites façon comme ça, un peu Tom et Jerry finalement. Oh non! Allez, allez! Ah! 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 Prends-toi le... Ouais, oh non! 35. 35. C'est faisable. Oh non! Elle va me défoncer! Reste là, ouais. Oh non! Non! Suspense! Ah, ça y est, elle est derrière. J'évite le roadwork. Ah, elle s'est pris les travaux. Allez! Yes! Plus qu'une, c'est faisable. On va voir le stage 2. Sauf si elle m'éclate la tête au sol encore, mais ça devrait être faisable. On va cueillir des pommes. Oh non! Ben, reste là, toi. Ne me dépasse pas. J'aime pas quand tu me dépasses. Ah, idiote. Elle s'est prise le mur. C'est faisable, oui, on y est là, on y est. Ah non, elle va. Sauf si elle me rattrape là. Là, c'est mort, si elle me rattrape, j'ai perdu. Non! 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 Ah putain! Allez, c'est peut-être faisable. 15 secondes, il faut y retourner. Ah non, j'aurais dû passer par en haut, je suis con. Ah non, c'est bon. Putain, mais oui, les poteaux, ils changent à chaque fois, en fait, hein. Ah, j'y arriverai pas. Ah si. Oh! Oh non! Ah, je suis désolé, Jeune Agorette, vous avez cru en moi, mais je crois que... Ah, mais attendez! Il y a du temps. Mais oui, il y a du temps, c'est pour ça que je stresse depuis tout à l'heure. Je crois que j'ai compris un truc dans les contrôles. Je vais recommencer. Il veut bien que je recommence. Ouais. Je vais recommencer et je vais mieux jouer. Enfin, je crois. Ouais. Ok. En fait, il gère les diagonales. Aïe, aïe, aïe. Ouais, du coup, faut que je réapprenne à jouer. Ah oui, ah bah ça va pas se passer pareil là, Mrs. Arras. Je vais réussir à vous prendre toutes vos fringues et à les mettre au lave-linge, je vous en faites pas. Merci, Gordolexos. Aïe! Pas toujours, hein, mais. Ok. Aïe, aïe, aïe. Ces andouilles qui se prennent tous des murs. Ah, mais elle me coince. Mais casse-toi.
Oh. Allez. Allez, allez, allez. Non. Ouais, les jeux de poursuite, de toute façon, ouais, bah en fait, ouais. Oh non, chaque fois, c'est celui-là, il est piégeux, celui-là. Casse-toi. Ah! C'est bon. C'est passé. Ouais, un peu façon Mikey, quoi. Les jeux où il y a des bonhommes qui te courent après. Bon, en même temps, c'est Pac-Man, hein, les jeux. Mais. Mais. C'est quand même mieux quand il y a une corde à linge dans un jeu vidéo. Combien de jeux aujourd'hui ont des cordes à linge? Quand même un ustensile qu'on voit plus beaucoup, je trouve. Dans les gameplay. RE7, c'est que ça. Ah ouais. C'est vrai. RE7, c'est juste Tom et Jerry. Mais il n'y a pas de corde à linge. Et de soutif pendu. Elle va débarquer dans l'écran sans que. Non! Sept. On est dans les temps. Ok. Ok. Oh non! Des fois, il répond pas hyper bien. Il y a une mémé, ouais. Je l'ai pas fait RE7 du coup. On peut voler les vêtements de la. Ah, bonne question. Je ne pense pas, malheureusement. Donc, est-ce qu'on peut dire que RE7 c'est un Benny-like? Je vais prendre la chemise parce que c'est la plus loin. Yes, c'est passé. Voilà, normalement, si on n'y arrive pas, c'est ouf. J'ai 40 secondes de plus que. Enfin, 20 secondes de plus que tout à l'heure. C'est vraiment pas de bol. Mange-toi la cabine, toi. Ouais, voilà. Hop, à nous le stage 2. Tout ça parce qu'on veut aider les voisins, quoi. C'est moins bien, bah oui, c'est moins bien. De toute façon, faut toujours préférer l'original à la copie. Allez! Mais prends-le! Oh là là. Forcément, il va me. Ah, c'est bon. Ah, j'aime pas quand elle me colle aux fesses. Ah, voilà. Ça, c'est bien. Mais là, il va se. Pourquoi je me le prends? Je peux pas l'éviter là du coup. Ah, il faudrait que je fasse bas peut-être. Allez. Yes!
Now for the apples. Merci Mikauna. Youpi, oui, on peut dire youpi, parce que c'était pas gagné. Alors, il y a une poule. J'aime bien les arbres bleus. Ah, zut. C'est un nouveau level design, je suis perdu. Alors, elles sont où les pommes? C'est ça? Là. Oh! Wow! Ah, il est trop béni, il style ce bonhomme avec sa canne qui court après 140 secondes là. Putain, il va être long ce niveau. Putain, il y a des tracteurs et tout. Oh, et donc il y a trois stages hein, du coup. Ouah. Aïe aïe aïe. C'est assez fou, hein, techniquement quand même. Enfin, j'en sais rien, je connais tellement mal le Spectrum que je me rends pas compte si c'est un peu une prouesse technique, mais j'ai l'impression que c'est quand même balèze. Par contre, Benny, il est géant à côté du tracteur. Ça, c'est pas mal. Il fait un peu peur, quoi. À côté même du mec sur le tracteur. On sent qu'on est dans le même univers. Oui, et le lore Benny, il est plutôt bien respecté, je trouve. Oh, mais je peux pas. C'est pas très clair, ces barrières. Hein. Allez, go, go, go. Oh, mais j'étais pas dessus, là. Eh, je t'ai rien fait, là. Pourquoi tu me. Allez, apples. C'est pas passé loin le tracteur. On dirait des gants de toilette, les briques de ces. Bah, vous voyez un mur, moi je comprends pas bien le mur. Ouais, espèce de truc multicolore là. Il m'a l'air carrément faisable ce niveau, on va peut-être réussir à avoir le stage 3. Bah, je suis connu sur quoi? Ah, la paille, elle était dans le fond. Ouf, bah. Non, mais oui, c'est peut-être un mur. Casse-toi. Ouais, c'est bon. Je crois qu'il va être faisable ce stage-là. Je le sens bien. Je commence à avoir le gameplay en main. Ouah! Fait rouler dessus quoi. Cent-trente-cinq points. Qui parmi vous a déjà fait scorer autant à Bénil? Je crois que j'ai un peu le high score de nous tous. Aïe aïe aïe. Oh non, mais il fallait que je monte juste après. Allez, go. Go, Benny. Pouah.
Est-ce que le perso là, Miss Arras et tout ça, c'est des persos de la série ou pas? Je me souviens plus. Je me souviens plus bien. Ah, il en reste quand même trois encore. Allez, attrape! Aïe. Mais allez! Mais il est con, il n'arrive pas à l'attraper, celle du fond. Elle est trop haute. Allez. Bah, j'arrive pas à attraper les dernières pommes. Aïe. Ou alors, peut-être que si je sors et que je reviens. Non, il en génère pas à d'autres endroits. Ah, pour changer la place des obstacles, il le fait, mais. Ah! Mais pas la place des bonus. Faudrait mettre la musique de Benil par-dessus, en fait. J'aurais dû faire ça, j'aurais dû aller la chercher. Est-ce que. L'un de vous pourrait aller chercher la musique de Benil des courses-poursuites? Et me l'envoyer dans le chat. Et je la mettrai par-dessus. Si ça vous dit. Par exemple, Mikaouna ou Gordolexos, si vous êtes encore là. Et que vous avez le temps de faire ce genre d'idiotie. Mais je pense que ça lui ferait du bien au jeu d'avoir une petite musique, la vraie musique. Oh là là, on comprend rien au col ici. Yes, Jonagored, bravo. J'espère que c'est. On pense bien à la même, hein. Ah. Yes. Ah, mais voilà, mais ça change tout. Zut, attendez, je suis plus sur l'émulateur, du coup, je fais n'importe quoi. Qu'est-ce que ça va le volume de la musique qui vous éclate pas les oreilles? Ah, vous l'écoutiez dans votre coin? Ah. Ah bah ça change la couleur du jeu, hein. Bon, par contre, j'arrive plus à attraper les pommes. C'est plus... Ah, c'est 10 fois plus drôle. Ah, mais j'ai oublié de mettre la... de faire boucler la musique par contre. Faudrait que je... Ah, zut. Oh là là. Toutes les animes prennent une autre couleur. C'est la version CD-ROM, ouais. La version PC Engine avec les musiques CD. Allez, attrape la pomme! Ah, oh, c'est dommage parce que... Voilà. Ah, ça y est! C'est parti. Oh non! Ok. Oh non, mais putain!
Aïe, 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 aïe. Ah, je pensais pas que les dernières pommes, elles seraient si dures. Ah, c'est peut-être faisable. Allez, on y croit. La musique me met un peu la pression, du coup. J'ai envie d'être digne de Benny. Ce son vous rend si triste. Eh oui, demain, c'est l'école. On est dimanche soir. Le week-end est terminé. Ah, non, j'ai l'impression que c'est vraiment une histoire de... Peut-être, bah alors j'ai pas du tout senti le coup du tracteur qui taperait l'arbre, mais j'ai vraiment l'impression que c'est plus une histoire d'il faut être au bon, sur la bonne case exacte. La colle est très très fermée et du coup, faut juste... Voilà. Allez! Allez! Putain! Ah! On va pas perdre sur ça quand même. Une pomme près, quoi. Allez! Allez, Benny, attrape! J'arrive pas à l'attraper. Putain, je l'ai chopé en plus tout à l'heure, celle-là. Putain, c'est très frustrant, ça. Bon, attendez, je remets la musique, ça nous rendra... Ah ben je crois que... Putain, en plus le mec il est sur moi, 17 secondes à moins d'un... Je vais sortir et revenir sur cet écran. Casse-toi toi le bonhomme. Oh. C'est foutu, je pense. C'est foutu. Bon, on aura au moins vu 2 stages sur 3. C'est quoi le 3e stage? Du coup, est-ce qu'il est écrit... J'aurais quand même tenu 50 minutes... presque une heure sur Benny Hill, quand même. C'est plus long qu'un épisode. C'est un peu le film Benny Hill, quoi. Bon, du coup, je cours comme un idiot pour que... Compagnon. Bonjour, Jérus Chilo. Je sais pas si je prononce bien. Bienvenue. Qu'est-ce que j'allais dire? Qu'est-ce que je disais? Je sais plus. Oui, c'est un peu le... Ah, c'est... Bon, voyons ce que c'était que le... Est-ce que je vais nous laisser avec cette musique pour la fin? Attendez. On va rester avec ça, c'est quand même... Ça changera un peu. Peut-être que je vais me faire ban de Twitter, car j'aurais mis une musique dont je n'ai pas les droits. Ce serait vraiment... Vraiment nul de la part de Twitter, mais pas impossible. Alors, j'enlève la musique de la scène de fin. Hop. C'était donc Benny Hill.
The second little job, which is to pick apple. Et alors, du coup, le deuxième job. Et il n'y a pas un troisième? J'avais lu qu'il y avait un troisième job. Clic bric à brac. Ok, dans le troisième truc, il y a la police. Ah, c'est dommage, on n'aura pas eu les flics anglais. J'espère que la musique est pas trop forte là. Non, ça a l'air d'aller. Bon, bah merci d'avoir suivi ce live. C'était assez émouvant de faire ce jeu. Peut-être qu'un jour on se tentera Mr Bean pour se faire. On se sera fait la trilogie humour anglais. Qui est-ce qu'il y aurait comme humoriste comme ça, un peu chelou, on n'imaginerait pas un jeu sur eux. Il y a peut-être des jeux les des chiens. bon, vous avez l'air un peu discret. Vous parlez plus beaucoup. Mais demain, normalement, un jeu Patrick Sébastien, bah, bien vu ça. Est-ce que ça peut exister? En tout cas, normalement demain, il y aura un live, si tout se passe bien. Et ce sera peut-être Nicky Boom de Bambi Fontaine, je vous le dis, parce que je sais que vous avez envie de le voir. F Del Piano. Bonjour, F Del Piano. Ah oui, le jeu des Three Stooges, oui, je m'en souviens des visuels. Jamais je... Ah, peut-être qu'on l'a eu, mais que c'était un peu injouable. Ah, attention, F Del Piano, si vous commencez à dire qu'on est copains, les gens vont savoir qui vous êtes. Ici, on respecte les RGPD, on vous voit, et on fait comme si on ne se connaissait pas. Mais coucou. Bon, malheureusement, vous arrivez à la fin. Parce que... Non, mais vous vous taisez pas, c'est pas grave. Mais du coup, vous arrivez... Et c'est la fin. Du coup, demain, 19h, a priori, Nicky Boom 2. Et vous avez raté les portes Jartel, oui. Vous avez tout raté. Mais il y a le replay, hein, au pire. Alors, par contre, on a eu la bonne idée de mettre la musique que vers la fin du live. Du coup, tout le début est très long et très mou. Mais bon, vous pourrez... Ça a changé tout le style du jeu de mettre la musique. Voilà. Mais c'est pas grave. F Del Piano, vous reviendrez une prochaine fois. Pourquoi pas pour les Three Stooges. Ça vaut le coup de se dire qu'on peut le tenter un jour. Et bah, bonne soirée à tous. Et à demain pour ceux qui seront là. Et je vous dis au revoir.